Allez, on bouge. Allez, grouille-toi, Nate. Merde, les flics, par ici. Quoi? Allez. Sérieux? Allez, Charlie, qu'est-ce qu'il y a? Ok, c'est bientôt terminé, ça y est. Oh, ça a été... C'est quoi ton problème? Ouais, ça va. Ah, c'est bloqué. Là, on peut passer par là. Ouais, ok. Ou sinon, avec des coups de coude. Ah, c'est une idée. Allez, bougez vos fesses. Ok, on dirait que la voie est libre. Tu devrais plus faire gaffe à ta tête, tu sais. Salut les gars. Ça va, chérie? Vous avez pris une sacrée raclée. Ah, c'était quelque chose, Chloé. Ouais, ça s'est passé nickel. Je te trouve bien calme. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ben, Charlie, c'est un peu... trop fait plaisir avec moi. C'est parti. J'ai les oreilles qui sifflent. C'est pas vrai. Un cerveau entre les deux, ça aide. Oh, on dirait que j'ai raté le meilleur. Ouais, c'est dommage. C'était très, très... cathartique. Trop marrant. Et de ton côté? Non, pas de soucis. Et t'es sûr qu'ils t'ont pas repéré? Impossible. Bon, derrière quelle porte se cachent nos méchants? Derrière celle-là, là-bas. La verte. Ils sont entrés, il y a des plombs, mais j'ai rien vu depuis. Ils seraient toujours là? Eh bien, je ne l'ai pas quitté des yeux. Et personne n'est entré, ni sorti. Tu crois que c'est vraiment nécessaire, c'est vrai? C'est pas comme s'ils nous attendaient. Ne sous-estime pas ces types, ils rigolent pas. Eh, on va juste entrer et sortir. On reste pas. Ouais, si tu veux. Mais si ça tourne mal, tu tires d'abord et tu poses les questions ensuite, d'accord? Ah, si je m'étais écouté, j'aurais ramassé cette mallette et je serais parti. Ouais, t'as du mal à cacher ton jeu, vieux. Eh, crois-moi, c'est rien comparé à ce qu'on cherche. Ouais, ben, à mon âge, il vaut mieux un tien que deux, tu l'auras. Oh! Qu'est-ce que je t'avais dit? Oh, ça va. Bon, j'espère juste que t'avais raison là-dessus. Ça a plutôt l'air calme. Tu crois qu'ils sont encore là? Bon, on va pas se contenter d'enfoncer la porte d'entrée pour le savoir. Bon, on a mieux à faire que de rester planté là. Je vais essayer d'entrer pour jeter un œil. Vous trois, attendez là. Ça va là-haut? Ouais, désolé. Donne-moi un coup de main. Ouais, c'est bon. Quelqu'un voit une caisse? Parce que moi, j'en vois pas. Je comprends pas. Eh, merde. T'es sûr que c'est bien ici? Oui, la porte verte, j'en suis sûr. Oh, Nate, on perd notre temps ici. Cette foutue mallette nous file entre les doigts. Bon, allez, ils ont pas pu s'envoler comme ça, ok? Il doit y avoir une explication. On se disperse et on cherche. Des traces de pneus. Et encore humides.
On dirait que la voiture a tourné ici. Un genre de mécanisme. Ouais, peut-être. Quatre pneus, quatre points de contact. Sully, reste où tu es. Vous deux, allez là et là. Bon, ensemble, à trois, prêt? Un, deux, trois. Et... Attends. C'est la lumière. Sully, braque ta torche sur le mur. Pour faire comme des phares. Et voilà, un braque à la voix. Nate, tu pourrais m'expliquer ce qui se passe ici? Y a qu'un moyen de le savoir. On va rester là, tu retournes au van. On va rester en contact radio. Je te dis quand on est passé de l'autre côté, ok? Si jamais on ressort. Tiens-toi prête à décoller. Ça pourrait être speed. C'est clair. C'est la meilleure chauffeuse dans le métier, tu sais. C'est ce qu'on dit. Bon, on est tous d'accord? C'est plus qu'un peu bizarre. Mais quel fou conduira une voiture en sous-sol? Attends, laisse-moi réfléchir. Quelqu'un qui a pas envie d'être suivi, peut-être? Petit malin. On dirait qu'ils ont creusé dans les vieux tunnels de service. Hé, hey, par ici. Allez. On doit pouvoir se faufiler par là. Je crois. En avant, Garland. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Guingamp, c'est en avant, Guingamp. On pourrait se bouger un peu, là. Ça va de ton côté? Ouais, c'est super. C'est juste que j'aime pas trop les endroits étroits, tu vois. Allez, on continue. Oh, il manquait plus que ça. Vous parlez foot? Ton ignorance n'a donc pas de limite. C'est quoi? Ils sont là! Ouais, bien vu, mon pote. Merci. Ok. Le tunnel est juste en dessous. Au moins, on est sur la bonne route. Sacrée descente. Encore, plante-toi. Attendez qu'il soit plus proche de nous. Il y a un passage là-haut. Et une échelle. Ouais. Mais elle a l'air coincée. Je vais essayer de la débloquer. On dirait qu'il y a une porte là-haut.
Ok, Charlie, implique. Et revoilà le tunnel. C'est trop loin pour sauter, on va se briser le cou. Par là. Et où est-ce qu'on va, au juste ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Charlie, on a affaire à qui, là ? J'en sais rien, mon pote.